Salut à tous les cousins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo achat tout simplement et de très très beaux achats. On commence par les TCG Pokémon, le TCG Pokémon. Parce que vous allez voir, il y a aussi un jeu vidéo et ça me fait super plaisir avec ce magnifique. Alors, il est énorme. Coffret que j'attendais vraiment parce que c'est un joli coffret. Zacian. On retrouve à l'intérieur la magnifique carte promo Shiny. De Zacian, hein. On a le Pins. Alors franchement, il faudrait que je regarde, mais j'ai l'impression que le Pins et la figurine, c'est du recyclage. Franchement, ils ont peut-être changé juste la couleur. C'est tout. J'ai l'impression que la forme de la figurine, c'est du recyclage. Dites-le moi en commentaire si c'est pas des figurines qu'on avait sur les coffrets acier trempé. Attendez, je l'ai là. On va faire le comparatif tout de suite. Ça va être très intéressant. Voilà, il est là mon coffret, alors il est poussiéreux, ici, c'est Amazon Time et je l'ai aussi, ne vous inquiétez pas, on fera la comparaison, c'est intéressant. Coffret donc gigantesque, je l'ai trouvé chez King Jouet à 73€, c'est quand même relativement cher, mais ça se comprend au vu de ce qu'il y a à l'intérieur. On a une carte promo, on a une figurine, un pins, les 65 sleeves et les 11 boosters, voilà, donc ça se comprend, même si moi les sleeves, je peux m'en passer, je les utiliserai. Certainement pas, en plus que je trouve que le bord jaune comme ça, bon, je suis moyen. Bien sûr, s'il y a le Zacian, il y a le Zamazenta qui est ici où la figurine elle s'est tournée avec toujours le pins. Alors on va comparer pour voir s'ils nous ont juste recyclé l'histoire ou pas. Franchement, la figurine c'est ressemblant hein, quand même. Ouais, la figurine, c'est ressemblant, ouais, beaucoup, beaucoup. Alors, on va regarder quand on va le déballer. Et le pins, non. Le pins, vous l'avez là. Là, il est différent, le pins. Alors, c'est juste qu'ils ont changé la couleur. Ils l'ont mis en shiny, hein, tout simplement. Et après, le contenu, c'est le reste. Alors, c'est la même chose. Ils ont bien séparé, c'est marrant, les illustrations de Zacian et Zamazenta. Bon, ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc ça, c'est les deux achats. Gros budget, hein, faut compter 150€, quasiment 150€ pour les deux, c'est incroyable. Et enfin, petit budget, ça fait plaisir, le Pokémon Diamant Étincelant qui est en promotion chez la Fnac pour 15€. Et franchement, 15€ le Pokémon, j'ai pas trouvé la version avec, donc là ça c'est Dialga, il y en avait un avec Palkia. Je l'ai pas trouvé malheureusement, mais il est aussi à ce prix-là, à 15€. Et franchement, bah, ça c'est une super affaire. Donc faut foncer, ça va partir très très vite. Voilà les petits achats, on se donne rendez-vous. Alors normalement demain, on va s'ouvrir un coffret, soit Zacian, soit Zamazenta, hein. J'ai pas de préférence, hein. Les deux vont être ouverts sur la chaîne. J'espère seulement sur 11 boosters, quand on tirera au moins une dinguerie, ça serait plutôt cool. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao!